bienvenue à tous, c'est un tout nouvel épisode de Spider-Man, j'espère que vous allez bien. Donc, je me dirige vers la prochaine mission présentement, on se balade toujours dans la ville de New York. Pendant la soirée, c'est vraiment beau, c'est illuminé. Et là, la ville est sans dessus-dessous. Donc, c'est comme on dit, c'est le bordel, il y en a des ennemis partout. Il y en a des endroits que la fumée qui se dégage, là, comme là-bas. Et là, on se redirige vers le haut de l'Empire State Building, ce fameux building. Bien connu. On va se diriger dessus pour monter complètement en haut, sur le pic. Et voilà, on monte présentement sur l'Empire State Building. Pour avoir un meilleur angle de vue. Ok, capitaine, je suis en place. Dites-moi tout. Reno est en train d'assaillir le commissariat d'Upper West. Electro, celui d'Upper East. Empêchez-les de prendre le dessus. L'un ou l'autre, de toute façon, c'est la même galère partout. Ok, donc on me propose de sauver deux commissariats différents. Donc je vais commencer par celui de droite, vers là-bas, vers la tour des Avengers. On va faire un petit vol plané. On a besoin de toi à l'annexe Fist, dans le nord. Le refuge des vétérans à Harlem? Qu'est-ce qu'il y a? Les évadés de Riker exigent des vivres et du matériel. Les employés se sont barricadés, mais ils ont besoin d'aide. Je me rends sur place avec Miles pour faire évacuer le personnel. Bon. Surtout, ne faites rien avant que j'arrive. On se retrouve à Harlem. Elle est épuisée. Pourvu qu'elle soit pas malade. J'espère que tout le monde va bien. Direction Harlem. Donc, on va faire ça rapidement. On va se rendre au premier commissariat. On va aller au deuxième ensuite et on va continuer à aller à Harlem pour sauver les gens du Fist. Yuri, j'arrive au commissariat Dr. East. Super, Electro et les démons empêchent mes hommes de sortir. C'est une situation compliquée. Vous comprendrez une fois sur place. Yuri Watanabe, la reine du suspense. Les prisonniers évadés? Voyons si je peux remédier à la partie évadée. Bon, la criminalité a pris le dessus de... sur la ville de New York. Donc on est plus très loin maintenant de ce fameux commissariat. Oh, Electro est là. Grosse galère. Transformateur électrise le bâtiment et piège les policiers à l'intérieur. Ok. Yuri, c'est pas compliqué, c'est pire. On va devoir détruire les transformateurs. Transformateurs pour libérer vos hommes. Même si vous y arrivez, ils auront encore besoin de votre aide contre les démons. Je suis là pour ça. Problème d'électricité, de démons, sans rendez-vous. Bon, les ennemis en plus. Ok. On a l'hélicoptère maintenant. Je vais attendre qu'il revienne. Ouais, okay, il y a un ennemi qui s'approche. Ok, je vais essayer de viser le transformateur qui est propulsé par l'hélicoptère. Ok. Oh. Bon, il y en a un là-bas, sur le toit ici. Ok. Je vais viser ça immédiatement. Je crois pas que ce soit important de tuer tout le monde là. Je crois que c'est les transformateurs qui sont prioritaires. GG la police avec un réseau de transformateurs. Mais d'où ça sort ça? Oh, celui-là là-bas, je l'ai pas détruit complètement. Bon, je vais me diriger vers là-bas. Il me reste des losanges. Il y en a ici.
Ok, lui détruit. Je retourne au premier que j'ai fait, mais j'ai raté. J'ai pas détruit complètement. Encore un petit coup. Ok, c'est fini pour les transformateurs. Les policiers sont libres, mais les démons lâchent rien. Je dois les assister. Bon, on redescend dans la rue maintenant pour aider nos amis policiers à vaincre les démons. Bon, là je suis coincé un petit peu. À ton tour. Il reste plus qu'un, je dirais. Je passe en dessous. Yuri, vos âmes sont hors de danger. Et maintenant ? Rendez-vous dans l'Upper West Side. On veut abriter les civils, mais Rino nous met des bâtons dans les roues. Bon, on s'en va maintenant au second commissariat de police pour sauver les gens. Il va sans attendre. Pete, salut. Même a demandé de t'appeler. C'est la grosse cata au refuge des vétérans. Les prisonniers essaient de défoncer les portes. Mary Jane est là. On fait sortir les gens par le sous-sol, mais on a besoin de renforts. J'espère que tu peux venir rapidement. Bon, on va faire ça vite. Donc Miles et May ont besoin de notre aide. Mary Jane est là aussi. On doit les sauver rapidement. Avec les évadés partout dans la ville. C'est pas beau présentement à Manhattan. Regardez, il y a du feu partout. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Rino maintenant se mêle à la partie. Bon, on doit encore aider les policiers dans la rue. Yuri, Rino s'est sauvé. Il y a plusieurs barrages qu'on doit. Bon, je commence par ici. Allez, si ces barricades tombent, je donne pas cher de leur peau à l'intérieur. Bon, c'est terminé ici, on s'en va plus loin. On se rejoint l'autre barrage. Bon, on utilise le coup de grâce. Bon, je passe en dessous. Coup de pied. On passe en dessous. Dans le dos. Et voilà. On va retirer son arme. Bon, il reste du monde là-bas. J'arrive. Et voilà. Un bon coup de pied. Ça l'a renversé. Oups. J'ai électrocuté. Je pense pas vraiment d'utiliser la toile électrique. Mais c'est vraiment pratique, les ennemis sont paralysés pendant quelques secondes. Mais je
pense pas souvent. Les gadgets, c'est vraiment plaisant à utiliser. Ok, là, il y a encore du monde. Ils sont sur les toits, on dirait bien. Ok, bon. En haut encore. Oups. Là, ici. Bon, je vais m'occuper d'eux. Débarrassez-moi le plancher. La raison est là. Et voilà, en plein dans les airs. Ça. Il reste 2, 3, je pense. Je vais retirer son arme. La roquette. J'arrive, mon ami. Et voilà, je vais rapprocher à moi. Coup de grâce. Et... Oh, il m'a coincé. Faut qu'il s'en mêle en plus, ceux-là. Quelqu'un lui débriante de leur filer des jetpacks. Les gars, on est dans la même équipe. Au moins, attendez qu'on ait vaincu les fugitifs avant de m'attaquer. Pacifié? Je trouvais pas que c'était grosse repompe de 1984. Quoi? Avec moi? Bon, et les hommes de sable en plus. Tout le monde veut m'attaquer, on dirait bien. Aïe! Ça me complique la tâche! C'est bon, il reste celui avec le jackpack. Ok, bon, il n'y a personne sur ce toit. On va continuer à l'autre là-bas, juste en face. Je vais me propulser. Ouh, la justesse. Ah, il y en a un là, ok. Je vais tirer son arme. Et voilà, il me reste le dernier. Juste au fond, bon, il y a un jetpack aussi là. Hors jeu. Faut encore que je neutralise les évadés de Riker. Et le dernier prisonnier ici. Bon, ok. Yuri, le commissariat est sécurisé. Et j'ai vu ce que ça faisait d'être la cible prioritaire de Sable. C'est pas drôle. Ça vous apprendra à emmerder des mercenaires internationaux. C'est ça. Bon, je vais devoir me déconnecter. Vous m'appelez si ça part en vrille. Ça marche. Et merci. Grâce à vous, on peut leur tenir tête. Ok. Je dois foncer à Harlem, à l'annexe Feast, pour aider May. Bon, direction Feast, maintenant. Voilà, Peter, on a besoin de toi au refuge des vétérans. T'es où? J'ai été retardé. Tu vas bien? Qu'est-ce qui se passe? Les évadés ont allumé un incendie. On a fait évacuer le personnel, mais Tante May et Miles sont piégés à l'intérieur. Ah non. J'essaye de les rejoindre, mais les flammes se propagent super vite. Reste où tu es, MJ. Je m'en occupe. Sans... Dépêche, Peter, dépêche! Bon, le feu est pris dans le centre. Je vois la fumée d'ici. Oh, ça brûle. Ah non, j'espère que tout le monde est en sécurité. On va aller sauver tout le monde là. Aïe. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? MJ, reste où tu es! J'ai déjà assez de monde à sauver comme ça! Peter, fais pas l'idiot! Attends les secours! Mais! Mais! Par ici! On est par ici! Je vous tiens. Tenez bon! Mais... Vous allez bien? Approchez-vous de la fenêtre!
C'est trop loin! Tenez bon! Ok, accrochez-vous! Allez, espèce de sale! Allez, mais je vous tiens! Ça va nous tomber dessus. Allez-y! Allez! Miles, allez! Très bon réflexe. On te tient. On te tient. De justesse. Mais elle va bien. Tout le monde est sauvé. MJ, si vous aviez pas été là, toi et Miles, je serais... mort, oui. Tout comme moi les 36 000 fois et demi où tu m'as sauvé la peau. Je crois que t'as encore un peu d'avance. Oh, ça fait mal. Hey. Désolée pour le plan foireux, c'est juste... c'est... pas facile d'être celle qui se fait sauver tout le temps, tu vois. Des fois, je voudrais inverser les rôles. Je suis désolé, j'aurais dû te faire plus confiance. On est encore partenaires ? Toujours. Hé, hey, je savais pas si vous vouliez de l'eau minérale ou de l'eau de source ou plate ou gazeuse. Alors, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai pris une, de chaque. Je vous ai interrompu. Non, MJ, Miss Watson et moi discutions stratégie. Stratégie ? C'est ça. La ville est en danger. Elle a besoin de notre aide. Oui, de toute notre aide. Ok, coach. Bon, c'est quoi le plan ? Ok. Diviser pour mieux régner. Miss Watson, il nous faut un antisérum pour le souffle du diable. Oscorp cherche un traitement, mais il n'y a aucune chance qu'il puisse le garder en sécurité contre Octavius Ellie. On doit trouver le remède et le protéger. Je vais chercher des pistes. Miles, tu seras mes yeux et mes oreilles au centre Fist. Au moindre pépin, appelle-moi. Il faut qu'on protège le refuge et tous ceux qui s'y trouvent. Ok, ça roule. Et vous, vous allez faire quoi ? Ces détraqués en costume croient qu'ils peuvent saccager la ville. Je vais leur montrer qu'ils ont tort. Ok. Hé, attendez, comment je vous appelle ? Je veux dire, vous avez un portable ? Dans une poche ou enfin, je sais pas. Miss Watson va te donner mon numéro. Allez, bon courage. T'as son numéro ? Quoi ? T'es sa copine ? Ah, c'est tellement cool, hein. Ah. Allez, Sherlock, montre-moi un peu ta collection de bouteilles, là. Bon, c'est terminé pour cette mission. Bon, on a un peu repris le contrôle de... suivre la piste, mener l'enquête à Times Square. MJ cherche le remède au souffle du diable. Je peux enfin me concentrer sur Otto et l'empêcher de mener son plan à exécution. Bon, on fait maintenant un bon travail d'équipe. Faut qu'on s'occupe des grosses pointures. Toujours aucun signe d'Octavius ? Non. La police scientifique ne peut même pas s'occuper de Times Square. À part le stagiaire, tout le monde dans le service est malade. C'est peut-être une solution. Je fais signe si je trouve quelque chose. Bon, il est mis sur la bonne direction, on dirait bien. Donc on va se rendre à Times Square. On se rappelle que Otto avait dispersé le souffle du diable. Wow,
Merci, harceleur mystérieux. Tu peux m'appeler Taskmaster. Ça veut dire chef de corvée, c'est ça? Ça vous... Spider-Man, vous venez nous épauler? Bon, je vais aller parler à cet officier. Je me suis dit que vous en auriez besoin. Et ça, c'est rien de le dire. Ce souffle du diable, j'ai jamais rien vu de pareil. La police scientifique a du fil à retordre. D'après les infos, c'est ici qu'Otto a diffusé le souffle du diable. On a un indice ici. Okay, on a des traces derrière, on va les analyser. Des résidus sur ce panneau. Je peux peut-être l'isoler. Non, on va passer... Séquence initiale riche en père AT. C'est assez prometteur. Faut correspondre les motifs. J'essaie de faire ça rapidement. Non, ça marche pas. Ça ici, non. Ok, ça c'est bon. Ok, ça c'est correct. Je crois. C'est lui et la pièce du, en bas ici. Pour le retirer. Bon, on va se retrouver. Parfait. Substance identifiée. Le CPF a modifié de Scorp. C'est le souffle du diable. Je devrais pouvoir retrouver la voie de dispersion. Bon, scanner la zone. Ok. La piste part dans plusieurs directions. Piste ici. Je dois trouver la bonne. Commencez par celle-là. Ok, on suit par ici. Ça monte là. On a les fameux escaliers, le Times Square aussi. Et là, on arrive. Bon, il n'y a rien ici. On va suivre la seconde. Passe par-dessus là. Bon, là ça monte par-dessus l'arbre ici. Les traces de vapeur mènent à ce bâtiment. Bon, ok, j'ai fait une petite coupure parce que je m'étais mêlé quelque part, donc c'est directement ici qu'il faut monter. Sur l'édifice ici. C'est pour ça que j'avais perdu la trace de la traînée. Qui monte sur cet édifice. Monte au sommet. Ok. La piste passe par cette ventilation. Qu'est-ce qu'Otto fichait ici? Il doit y avoir une porte ou une trappe d'accès pas loin. Effectivement, il y en a une qui est juste ici. Je suis pas capable d'y accéder. Bon. On va ouvrir ça. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Eh ben, bonjour l'ambiance. On doit pouvoir allumer la lumière. Bon, je vais lancer une toile électrique là-dessus. La lumière, toi. Wow. Parfait. On va éclairer un petit peu. À ces opérations. La panique de l'évasion était la couverture idéale pour s'installer ici. Bon, là, il y a beaucoup de choses à observer dans ce lieu. Norman, j'ai l'impression qu'il est impossible de lui échapper. Il sourit et donne de grandes accolades devant les caméras. Mais en coulisses, il me tient à la gorge. Comment se fait-il que personne ne voit à quel point il est égoïste, dangereux et malfaisant? Je donnerais n'importe quoi pour qu'il voit Norman comme je le vois. L'homme derrière le masque. Ok, ça c'est fait. Il y a plein de trucs dans cette pièce.
Je sais pas si y a... Ce bon vieux Rhino. Faut tout faire ou... Préféré. Ce bon vieux Vulture. Je lui ai volé dans les plumes un sacré paquet de fois. Qu'avons-nous là? Otto a dû utiliser cette carte pour planifier son coup, mais elle est vierge. À moins que je rate quelque chose. Electro, le plus grand des disjonctés. Un autre enregistrement ici. Otto a enregistré des messages pour ses sbires. Adrian, quelle triste ironie que vos merveilleuses ailes aient infligé à votre corps une telle infamie. Par chance, vous travaillez maintenant pour moi. Quand nous en aurons terminé, le traitement que j'ai mis au point vous sauvera. Vous n'êtes pas encore débarrassé de l'étreinte de cette vie, mon ami. Max, quand vous m'avez fait part de votre rêve, j'ai d'abord cru que vous étiez complètement fou. De l'énergie pure. Mac Gargan, alias Scorpion, alias Jojo le Barjo. Je n'ai pas l'habitude de dire cela, monsieur Gargan, mais effacer vos dettes de jeu s'est avéré plus compliqué que prévu. Certains de vos créditeurs sont pour le moins intransigeants. Alexei, j'ai suivi votre carrière avec le plus grand intérêt. Le monde vous voit comme une brute épaisse. Moi, je vous considère comme un guerrier avec l'âme. On dirait qu'Otto a étudié les points faibles de la technologie de sable. Ok. Il y a des éléments que j'ai pas vérifiés. Ah, il y a des éléments que. Bon, on va commencer par ça ici. L'interface neurale accentue le sentiment, mais sa frustration est profonde. Il est prêt à détruire la ville pour atteindre Norman. Ça ici. J'ai du mal à croire qu'il s'agisse de l'homme que j'ai rencontré au Fist. Il y a un enregistrement là. L'enregistrement. Oh, Martin. Quand j'ai compris que c'était toi qui t'attaquais à Osborne ces dernières semaines, j'ai d'abord été consterné. Bon, j'imagine que je dois faire le tour de tous les éléments qu'il y a sur les tables. Un papier ici. Scorpion vient en aide à Otto en échange d'une ardoise propre. Plus de dossier pénal. Plus de dette de jeu. Bon, on a l'équipement de Rhino aussi. Otto a développé un agent corrosif pour libérer Rhino de sa tenue. Une certaine agence gouvernementale n'y est jamais arrivée. Otto a réussi en deux jours. C'est ici on a un grand tableau que j'ai pas pris le temps de vérifier tout à l'heure. La source d'énergie des ailes de Vulture a causé un cancer de la moelle épinière. Otto travaille sur un traitement expérimental pour le sauver. Le grand rêve d'Electro est de se transformer en énergie pure. Le Doc a réussi à modifier son harnais pour le rapprocher un peu plus de son but. Ah, ici on avait une lampe. C'est pour ça que j'ai pas pu voir la carte. J'ai pas vu la lampe. Donc faut l'allumer. On voit un bouton ici. Directement là. Il se passe rien. Il doit y avoir un moyen d'allumer cette lampe. Ah, ok, on est conduit juste ici. Où va-t-il celui-ci? Ah, juste là. Je donne du courant là-dedans. Ah, j'ai pas fait ma toile électrique. Et voilà. Ah, c'est une lampe UV. Des annotations cachées. Otto a chargé les vilains de détruire les biens d'Oscorp dans toute la ville. Il veut anéantir l'Empire de Norman pièce par pièce. Bon, là, je suis un petit peu mêlé dans cette pièce là, je sais pas qu'est-ce que je dois faire exactement. Puis le repère d'Otto, peut-être qu'il faut que je fouille chaque élément. La photo, non, ça sert à rien. Ok, je peux examiner des trucs.
Yi recherche le sérum du souffle du diable. Avec quelque chose appelé Icarus. La dernière étape du plan semble être un assaut direct sur un Scorp. Espèce Scorpion doit chercher à contaminer le réservoir de la ville. Rhino vise les propriétés d'Oscorp sur la côte. Electro est chargé des centrales électriques d'Oscorp. Que fait Vulture à Times Square? Je ferais mieux de rester sur mes gardes. Il y a un truc que j'ai pas fouillé là-bas. Icarus, c'est ça. Bonjour, Spider-Man. Nous n'avons pas eu l'occasion de nous présenter. Je suis Otto Octavius. Y a pas d'Icarus, c'est ça? Non. Martin n'a besoin d'aucune aide pour s'emparer du sérum. Icarus était un leurre pour t'amener où nous le voulions. Où vous le vouliez? Hein? Je te dépose. Ça fait du bien de travailler pour quelqu'un comme Octavius. Il a des plans de secours pour ses plans de secours. Hé, hey, MJ! Peter? Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui se passe? Vite les transports! Écoute, Lee en a après l'antisérum. Il faut qu'on trouve le laboratoire secret du souffle du diable avant lui. Je suis sur le coup. Je passe en revue tous les permis de construire de la ville. Si le labo est enregistré, je le trouverai. Génial! Ok, à bientôt, MJ! Il s'en est tiré! Mais pas indemne! On passe au plan B! C'est quoi le plan B? Ok, on va passer maintenant au combat contre Electro. Combat digne de ce nom là. Ça sera pas facile comme combat. On va se lancer tout de suite. Ça se voit que t'as grandi en prison, non? Oh man, tu m'as tellement manqué. Bon, en tout cas, tu sais toujours pas viser. Je vais éviter ces tirs. Complètement raté, Max. Pour l'étourdir, on appuie sur R1 pour lancer des étoiles. Ok, là je peux l'atteindre au moins une fois. Bon, ça va être ça le secret pour le vaincre. Lancer ça là-dessus. Bon. Ça va exploser. Hey, lance-toi! Adrien! C'est moi, Spider-Man! Mais qu'est-ce que tu racontes? Personne comprend mes références. On a des vieux comptes à régler. Très bonne référence, je dois dire. Comment ça? On n'est pas dans une relation d'échange et de compromis? Ah mince, j'étais tellement à côté de la plaque. Devant! Il est en garde. Je dois l'étourdir ou le surprendre. Bon, en plus d'Electro, on a Vulture qui se mêle à la partie. Je vais te briser. Ouais, bravo! Ah, pour une fois que quelqu'un comprend mes références, on n'a plus envie de me battre. Je vous le dis franchement, vous préférez quand vous étiez en solo. C'est formidable de travailler d'équipe quand on y pense. L'énergie de la jeunesse, la sagesse de l'expérience, c'est gagnant. Un peu comme l'eau et l'huile, ouais. Je suis senti dans mes plombages. Bon, ok, ça sent bien là. J'essaie de me concentrer là, pis c'est pas évident. Faut que j'ai. Il y a des attaques de tous les côtés là, des gros combats à la fin du jeu là.
Évidemment, c'est ça qu'on veut pour avoir un jeu digne de ce nom. Bon, là, je vais peut-être finir par la... le vaincre, Vulture, au moins. Il faut que je reste dans les airs, on peut pas rester... on va toujours rester en mouvement. C'est ça la clé pour réussir ce genre de combat. Parce que ses attaques sont assez puissantes. Bon. Fais celui en premier. Notre bonhomme. Ah, ok, il y a un autre transformateur faire exploser. Oh, je l'ai pas fait exploser. Bon, ça y est. Erreur. On appuie sur les deux gâchettes. On évite. Il n'a pas la moindre chance. Bon, on peut continuer le combat. Mais je crois pas que vous ayez bien saisi la situation, en fait. Ça fait mal. Je dois lui faire baisser sa garde d'abord. Fais gaffe où tu vises. Bon. Ça s'est concentré. C'est pas facile. On s'approche. Oh, un autre transformateur là-bas. Je lance ça. Bon, je pense que Vulture est au sol pour un bon moment. Bon, il me reste plus qu'Electro à m'occuper. C'est le deuxième combat qu'on fait contre lui là. Je pense que ça va être le dernier. Bravo! Malgré la situation, tu gardes confiance en toi. C'est bien. Bon, je vais m'approcher pour lancer mes toiles. Ok, là je peux l'atteindre. Transformateur que je dois faire péter. Ah, je me suis trompé tout le temps encore. Non! J'ai pris une photo. C'est pas ça que je voulais. Je me suis trompé le bouton, désolé. Ah, j'ai de la difficulté à l'atteindre. Bon, comme ça, je vais peut-être être bon. Qu'est-ce qui se passe là? Je pense qu'il n'y a plus rien qui fonctionne.
Bon, ok. Qu'est-ce qui se passe? Electro a été mis à terre. Spider-Man, je présume. Si tu tenais vraiment à cette ville comme tu le prétends, tu m'aiderais à prouver qu'Osborn n'est qu'un vulgaire criminel. En tuant des gens innocents? J'aurais rétabli le courant. Vous êtes malade, vous avez besoin d'aide. J'ai toute l'aide qu'il me faut. Et nous n'arrêterons que quand Norman aura eu ce qu'il mérite. Donc Otto, d'une part, a bien raison. Il faudrait que les gens voient quel est le vrai personnage, mais en même temps, il mérite pas de mourir pour autant, je crois pas. Là. Ils font équipe. J'ai besoin de souffler un peu. Quelle heure est... Oh non. Suivre la piste, c'est terminé, donc on s'approche de la fin tranquillement, pas vite. Faut là. Que je préviens Yuri. Donc. Yuri, plus de 4. Vulture et Electro sont KO. J'ai vu ça. J'ai aussi remarqué qu'un toit a explosé à Times Square. Est-ce qu'il y aurait un rapport? Rien ne vous échappe. C'était la base d'opération d'Octavius. Il se sert des autres pour démanteler Oscorp. Vulture et Electro visaient les centrales électriques. Scorpion va s'en prendre au traitement des eaux. Rhino, pas encore sûr, mais ça se passe sur la côte. C'est déjà un bon début. J'imagine que vous allez vous occuper de Scorpion? Ouais. La ville est déjà bien atteinte. Si on perd l'eau potable, elle risque de pas s'en remettre. Je vous ferai signe quand j'aurai du nouveau. Ok, on fait comme ça. Donc, dans le prochain épisode, on va faire l'émission Rue Empoisonnée. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir été là. Et je vous dis à la prochaine pour la suite de l'aventure. Bye bye.